spectacle inoubliable. Et j'aperçois parmi les personnalités qui se pressent autour de l'héroïne. Comment vous appelez-vous? Hélène. Hélène Boucher. Horizon sans fin, le nouveau film de Jean Dréville. Mais vous gagnerez même pas votre vie en donnant des baptêmes de l'air. On se méfie des femmes. Comment on fait Adrienne Bolland, Marie Zilz, Maryse Bastier? Monsieur Danet, confiez-moi le 360. Mais gonflez-la, môme. Si au lieu du 360, on lui confiait le Rafale. Confiez jamais le Rafale à une femme. On m'aiderait si j'avais un nom. Mais comment voulez-vous que je me fasse un nom si je n'ai pas d'avion? Mariez-vous? Oubliez l'aviation. Tout au moins ne prenez plus de risques sur des prototypes. Ah, tu vois, avec un midi pareil, tu l'entends bien, tu rentres tes oreilles et m'as jamais décoiffé parce que tu as ton avion. Vous êtes aviateur? Ça se voit pas. Une aventure passionnante, réalisée entièrement en décor naturel et pour la première fois sans trucage. Je vais vous dire un truc, elle est inouïe. Elle est étonnée. Il y a 20 ans, je suis dans le métier. Avec Gisèle Pascal, Jean Chevrier, René Blancard, Paul Franqueur, Marie-France Denaise, Pierre Crabot, Maurice René, Jacques Bernard et Lisette Lebon. On vous dit pas aujourd'hui, c'est pas le jour. Vous rirez. Allez-vous. Oh, bah, tends-moi le soleil, je vais te faire un laisse vertical comme ça, on n'a jamais vu. Vous serez bouleversé par le film le plus humain. Oui, Gaudin. Oh. Vous qui avez aimé La Cage au Rossignol, La Bataille de l'eau lourde, Les 15 pieds, vous irez voir le nouveau film de Jean Dréville. Le film que tout le monde attend, Horizon sans fin.